Bonjour mes petits jazz, je voulais profiter de vous faire une petite vidéo pour continuer un petit peu à travailler et vous apprendre ou vous réapprendre certains pas dont on aura besoin quand on reprendra le travail en studio. Donc c'est pas, je vais y aller tranquillement, il n'y en a que deux, mais c'est deux pas difficiles, c'est le kick-back change et la planche avec jambes sur le côté. D'accord? Donc juste je vous les montre rapidement, après je vous les explique. Kick-back change. Kick back change, kick back change. La planche, on penche le dos en avant, on revient et on pose. D'accord? Donc je vais vous les apprendre tranquillement. Le kick back change, kick qui veut dire coup de pied en anglais, c'est trois actions dans un seul pas. Alors, je vous le montre de côté. Le kick, premier, ça commence, on donne un coup de pied devant. D'accord? Kick. Kick. On peut faire kick, pause, kick, pause, kick, pause, kick, pause, kick, pause, kick, pause, kick, pause. D'accord? Kick back change. Le kick devant, on pose la jambe derrière et on réappuie la jambe de devant. Je donne un coup de pied devant, la jambe qui est devant, elle va derrière. Je m'appuie dessus. Donc ça soulève un peu celle de devant et celle de devant, elle se réappuie. Le corps, il va derrière et devant. Kick, botte. Change, kick, bop, change, kick, bop, change, kick, bop, change. Je vous le montre de l'autre côté. Kick, bop, change, kick, derrière, devant. Kick devant, je vais derrière, j'appuie devant. Kick, je pose la jambe derrière, le pied de devant se soulève et se réappuie. On essaye un peu plus vite. Attention. Et 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. L'autre côté. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. OK, c'est le kick back change. Je vous mets un peu de musique, on essaye en musique. J'espère qu'elle ne sera pas trop rapide. Je vais voir ça. Je vous le montre de profil. Je monte ici. Je me penche. Je reviens. Et je pose. Bien sûr, c'est difficile. Je suis d'accord. Mais petit à petit, on apprend des choses plus difficiles et après, on y arrive. La jambe. Pied au genou. La jambe, elle va aller sur le côté. Revenir au genou et poser. Je montre de l'autre côté. 1, 2, 3, 4. Donc, mon genou, il est devant. Quand j'allonge la jambe sur le côté, mon genou reste devant. Il ne tourne pas. D'accord? Il revient au genou, le genou toujours devant, et pose. Donc, c'est en dedans, parallèle. Attention, l'habitude, souvent, de là, vous allez mettre la jambe derrière. Il faut vraiment que la jambe soit sur le côté. Donc, pour ça, je vous rappelle, on a un mur derrière. On a le dos contre le mur. Et ma jambe glisse. Pardon, sur le côté du mur, reviens et pose. Pour ne pas mettre la jambe derrière. Que fait le dos pendant ce temps-là? Le dos penche légèrement en avant. Grand étiré, le dos il est plat. On n'est pas le dos rond, on est le dos bien étiré. Et il remonte. Alors, c'est la jambe qui commence et le dos vient après. Sinon, vous n'arrivez pas à lever la jambe. Je le fais de cette jambe-là. Je monte. Je commence à décoller ma jambe. Le dos part devant, je regarde le sol, je remonte et je pose. Attention, on a tendance
avec le dos qui part sur le côté. Le dos, on a un couloir devant et le dos, il rentre dans le couloir de devant, bien devant soi. 1, 2, 3, et pause. Encore une fois, 1, la jambe qui décolle, le dos vient bien devant, on ramène, on pose. L'autre jambe, passez, commence à décoller, le dos vient devant dans mon couloir, pas la jambe derrière, la jambe bien sur le côté. Je ramène bien tous mes côtés et je pose. Encore, 1, 2, 3, pause. Alors, on va essayer en musique de faire kickbox change, kickbox change, un équilibre, une planche, on repose. Même chose à gauche, kickbox change, kickbox change. Comme ça, on assemble les deux. Alors, je remets la musique. Travailler. Comme ça au studio, ça ira beaucoup plus vite quand on se retrouvera tous ensemble. Voilà, je vous embrasse, bon travail.